Bienvenue les gars. Merci. Ah, bon bah ça yes. C'était la target du jour. Oh, ouais c'était la target hein, je peux vous dire. La Transat Jacques Vabre là, c'était ma quatrième, c'était la deuxième pour Thibaut. Il y a deux ans on a fait une escale qui nous a coûté 48 heures à Cachcaille pour des problèmes notamment de voile. Là on est parti avec un bateau ultra préparé. Et on pensait que tout était parfaitement fiabilisé. Malheureusement, ben, alors qu'on était en deuxième position, qu'on était en train de remonter sérieusement, enfin qu'on venait de doubler VNB, il y a Yannick qui est parti loin devant. Il y a eu le drame du safran, et le drame du safran qui nous a pas fait péter les plombs, mais qui nous a un peu démoralisé. Et voilà, on s'est dit c'est foutu. Et puis on s'est retroussé les manches. On est allé aux îles du Cap-Vert avec beaucoup de chance. Ouais. On n'était pas très loin. Ouais. On était à 120 000, 130 000, je crois. 120 000, ouais. 120 000. Et on est allé avec un seul safran là-bas. Bon, c'était un peu chaud parce que c'était le safran au vent. Ouais. Donc on décrochait pas mal. Puis là, on a rencontré un super mec, Antonio. Qu'on connaît tous ici et qui nous a organisé notre escale et qui a trouvé les bons artisans pour redresser la. L'inredressable, ça c'est impressionnant de voir comment ils ont bossé les mecs. Avec la hantise quand même sur toute la course quand même que. On n'était pas sûr quoi, on avait toujours un petit peu peur pour cette. On a passé notre temps à resserrer la boulonnerie. 3-4 fois par jour on fallait qu'on prenne un quart de tour sur toutes les boulonneries de la timonerie. Donc ça rendait pas très serein quoi. Donc on est là avec de safran. Ouais, donc voilà, quoi, on est déjà content d'être ici, ouais. Hein, parce que comment un safran en moins, le réparer en moins de 24 heures sur une île... On connaît personne. Hein, faut le faire. Mais voilà, c'est pas notre Jacques Vabre. Enfin, c'est... Mais ça, c'est... en tout cas, c'était celle de... Enfin, le podium, là, il est juste incroyable. Hein. On savait que Yannick et Pierre étaient affûtés et que c'était des gros clients. Maxime et Samuel, pareil, c'était des outsiders qu'il fallait guetter. Ils ont joué leur coup. Super, et puis voilà, puis un coup de chapeau à Christophe et Louis quand même qui ont donné une très belle leçon de navigation.
Et puis ben voilà quoi. Et puis on reviendra. Bah oui, on va être obligé d'en faire une autre si on veut essayer de gagner. Hein, parce que c'était l'objectif. Mais t'as rien fait. C'est ouf. Et petite pensée pour ceux qui sont encore en mer, hein, parce qu'on parle de. On s'est arrêté, on est reparti, mais voilà, d'autres l'ont fait. Vous avez niqué. Bravo. Ça va bien. Bravo, Léo. Bravo. Et comment courageux dans Salut Sam, ça va? Ça va bien? Steve? Bienvenue! Quelqu'un est bon, hein? Ah bon Sam, ça va? Content d'être là? Adorador.